coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maman, c'est dans cet extrait de live que Annabelle lave le général Kanu Makoso. Maman, tout ça pourquoi? Juste parce que le général, non, je ne vais pas vous dire davantage ce qu'il dit dans son, non, c'est qu'elle dit, c'est qu'il dit, c'est qu'elle raconte dans son live. Ensemble, écoutons cet extrait de live et partageons nos avis comme d'habitude. Hé, hey, c'est chaud, maman. Donc, de quel droit? Tu connais appuyer le bouton, on t'a appris comment bloquer, hein? Hein, vieux père? On t'a appris comment mettre le doigt, comment bloquer? Qui t'a appris le bouton, là? Parce que toi-même, là, Makoso, là, tu es yé dans TikTok. Tu le sais. Tu es yé. Tu es en train de venir gratter les vues ici. Là, laisse-nous les enfants qui sommes ici. Laisse-nous les enfants, laisse-nous les jeunes. Reste là-bas dans ton Facebook. TikTok n'est pas pour toi. Tu viens gratter les vues ici, là, tous les jours. Même quand tu es à 2000, tu veux toujours monter à plus de 2000. Hein? Parfois, TikTok bug. Ne reste pas là pour crier, pour raconter des mensonges. Les enfants t'ont dépassé hier. Tu as dit que non, que tu es ici, que tu es ici. Makoso, je sais ce qui te fait mal. Je sais ce qui te fait mal. Tant que tu n'as pas arrangé ce problème, hein, vieux père, je vais te parler en grande, tu vois? Vieux Mongo, je vais te parler pour que tu puisses comprendre bien. Écoute-moi bien, vieux Mongo. Là où tu es là, on a eu plusieurs clashs ensemble dans Facebook. Parce que ton nez là, c'est comme le museau. Tu connais le museau du chien. Tu aimes sentir les problèmes. Même quand tu ne humes pas l'odeur, tu viens jusqu'à la fenêtre. Tu es là, tu es comme le chien, le museau. I like problem. Problem coming now. I wanna smell something. I wanna smell problem. C'est ça ton problème. Et c'est ça que tu as passé toute ta vie à faire. Tu n'as passé à rien construire. Regarde ta vie. Tu as déjà bien les poils blanchis au Bangala là-bas. Regarde ta vie lorsque tu es là. Tu as déjà près de 50 ans, bien plus de 50 ans même. Qu'est-ce que tu as fait? Ton chantier est où? Où en sommes-nous avec ton chantier? On peut parler de ton chantier maintenant, vieux père, vieux mon gars. Ton chantier est où? Toi qui as tous les millions de Facebook. Nous qui ne pouvons pas te parler, nous les brebis égarés. Voilà. Toi, tu parles à la droite du Père. Dieu vient, Dieu se révèle à toi. Pour que toi, tu viennes nous annoncer la parole de Dieu. Tu t'amuses avec la parole de Dieu. Tu dis que non, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé où? Il t'avait parlé où? Hein, vieux Père, vieux mon gars. Ah! Il t'a parlé et puis tu es encore comme ça. Tu es encore dans TikTok. Tu es encore dans Facebook. Les gens que Dieu a, se révèle à eux là, les gens là reviennent souvent bizarres. Ça veut dire qu'ils ne font même plus partie du monde. Donc c'est comme si c'est seulement l'esprit de Dieu. Ils sont en train de parler avec Dieu, on lui voit marcher là. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui change. Mais toi là, hein, toute la journée tu restes là dans TikTok en train de baver comme un chien qui a été mal nourri pendant une semaine. Hein? Tu es là toujours dans TikTok en train de suer la sueur avec la bave. Tu nous remplis la syllabe, la salive ici là sur l'écran. Hier là je suis venu. J'étais venu en paix. Tu me connais. Les problèmes ont commencé comment? Les problèmes ont commencé, les gens connaissent nos problèmes depuis. Parce que ta bouche aussi ne se ferme pas. You love problem. I don't love problem. Ok? Voilà. Tu as commencé, tu n'as pas arrêté. Le jour que je m'étais converti ici en Christ, au lieu que tu fermes ton bec, que tu appelles bouche. George, j'ai crié ça plusieurs fois ici. Tu cherches quoi? Toi, le vendu, si qu'on a déjà vendu depuis, on est venu me mettre pour que je te prenne aux enchères. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai besoin que tu me dises. Please, tell me something. Say something for me. What you want for me? Est-ce que tu dois parler? Ça, tu dois dire. C'est là que ça commence. It's very important. Vous pouvez prendre vos oreilles. To say something. Tu as compris? Tu te parles à ma langue. Ou non, hein? Ou y'a bien soulou. Ou non, hein? Non, ni ma haut. Tu veux que je répète, je répéterai pour toi. Si Jésus-Christ était mort pour nous, moi je mourrais pour toi, Makoso. Tu as tourné. Oh! Une femme qui porte les couches, qui porte des perruques, qui s'est levée un jour, qui dit qu'elle est enceinte de moi, qui dit que né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 n
voilà l'esprit, l'esprit de la femme, des enfants là, de la maman des enfants là que tu avais tué là. Tu as compris? Que tu avais tué là. Ce que tu as fait là, le blocage que tu as fait là, ça va te coûter cher. Mm. Ça va te coûter cher. Tu as dit que, j'ai compris dans le Congo, ça, tu as dit que le jour que tu vas me voir, tu vas me faire arrêter. bébé, vous qui avez toujours parlé là, que non, vous voulez m'arrêter là. J'ai dit, vous vous croyez pour qui? Vous vous prenez pour qui là? Vous les petits moustiques là, vous vous croyez même pour qui? Hmm? La loi est pour vous, le monde est pour vous quoi, la police est pour vous. Tu as ton grand-père qui travaille là-bas, la police, ou bien qui est généraux, ou bien ton vieux grand-père qui était avec les vieilles poils là-bas, qui est quelque part là-bas, qui va me faire arrêter, par rapport à qui? Lui et moi, on se connaît. Hmm. Maman, vous me trouverez où? Je serai bien là, les yeux ouverts. Ne me privez pas juste de mon téléphone, c'est tout. J'ai juste besoin de mon téléphone, je veux que vous me donnez mon téléphone quand tous ces événements-là vont se passer. I need my phone, c'est tout. Vous allez me taper là-bas, que vous allez faire quoi? C'est la peau du caïman. C'est la peau du caïman. Hmm? Tu étais resté ici. Tu m'as envoyé la photo, je t'ai envoyé la photo. Quand ta femme, ta feu femme, que Dieu repose son âme, tu as compris? Quand ta feu femme était morte ici, quand je t'ai envoyé la photo, ta femme t'a attrapé quand je t'ai envoyé la photo. Tu voulais oui ou non? Tu voulais voir la photo, non? Quand ta femme a attrapé le téléphone, tu as renvoyé la balle sur moi. Oh, il m'envoie la photo. Comme si je l'ai demandé. Comme si je l'ai demandé ça. Tu ne m'avais pas demandé. Toi et moi ne causais pas. Comme tu m'as bloqué là, je te donne 2 jours de me débloquer. Sinon, moi, je vais te bloquer de partout. Et tu vas créer que les comptes. Voilà. Je te donne 24 heures ou 48 heures pour me débloquer. En vitesse. Je ne te demande pas. Je te l'ordonne. Makoso, Camille, je te demande de me débloquer. Sinon, moi, je te bloquerai de partout. Et je me chargerai à ce que tu ne puisses plus avoir aucune vidéo de moi. Parce que ton IP là, je sais ce que je vais utiliser ton IP et qu'est-ce que je vais faire de ça. Et tout de suite là, si tu cherches des problèmes, moi je vais te montrer comment chercher des problèmes. Si tu veux parier, viens parier chérie. Je te montrerai comment on utilise le numérique qui est dans ton propre pays, dont tu t'estimes seulement à brancher on, off, on, off. Mm-mm. Tu ne connais pas le numérique. Tu as compris? Tu connais la grammaire de la marmaille? C'est elle que tu vois là, la grammaire, l'ancienne grammaire, celle qui était morte depuis. Je suis ressorti de lorsque je suis ressorti. C'est la grammaire de la maman que tu vois là. Tu as compris? Après, tu t'es levé. Tu es venu parler à Annabelle, ton égale. Camille Makoso, je vais te dire quelque chose. Si tu es folle dingue de moi, dis-moi. Tu comprends? Tu arrêtes de tourner dans mes affaires. Lise-moi. Et là, c'est grave. Laisse-moi tranquille. Je ne gère pas avec des Africains. D'accord? Je ne gère pas du tout avec les Africains. Vous me laissez tranquille. Parce que votre mode de vie et la mienne n'est pas pareil. Tu as fait quoi? La vieille Mercedes. Ta Mercedes, ta Range Rover là, c'est de quelle année? La Mercedes, la Range Rover. Maman, qu'est-ce que la Mercedes? Ta Range Rover là, c'est de quelle année? Rentre un peu aussi à la boutique là-bas pour que tu puisses un peu changer la Range Rover là, non? Hein? C'est sûr que toutes tes pépettes ont déjà rempli dans la voiture. Même quand Kim entre là-bas, Kim n'arrive même pas à bien respirer. Maman, la pauvre fille va mourir, asphyxiée. Asphyxiation de ça. Tu veux tuer les enfants aussi. Hein, mon père. Hein, vieux mon gars. Hein? Donc, quand tu t'es quitté, coucou, tu allais payer. Ton chantier, là, tu montrais les chantiers. Tu ne montres plus trop les chantiers. Tu ne voyages plus aussi beaucoup. Pourquoi ça? Le capital est descendu. Ah, les moments sont durs, hein, faut voir. Les moments sont durs. Il ne faut pas rester seulement derrière ton écran pour attendre l'argent des gens. Il faut aussi aller travailler un peu. Toi, ma conscience, tu ne travailles pas, toi? Ton argent, tu le prends où? À Facebook. Ah, je t'annonce alors que non, bientôt là, on va bloquer tout. Voilà, on bloque tout. Oh. Mm-hmm. On bloque tout. Parce qu'on a dit que non, les gens prennent les cadeaux dans TikTok et que vous prenez aussi Facebook, vous paye. Si toi, tu n'es pas au courant de ça, là-bas, si tu as Facebook, on te coupe. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire. C'est juste pour te prévenir un peu. Tu vois, non, c'est notre truc. Voilà. C'est pour nous. C'est pour nous ici. C'est nous qui donnons et c'est nous qui retirons aussi. À tout moment. Voilà. Donc, pour toi là, si je veux faire quelque chose ou bien un rapport sur toi, ça va te prendre mon père. Tu comprends, non, mais j'ai pitié de toi parce que tu es un chien galeux. Tu vois un peu. Voilà, tu es un chien galeux, toi, Camille Kamakoso. Tu m'as trop manqué de respect. Le blocage là que tu as fait là, que le blocage là, si tu ne me débloques pas dans 2 jours. Oh, oh. Mon père, tu vas me chercher. Tu vas seulement comprendre que je t'ai lavé là-bas. Les choses que j'ai dites. Et je sais les choses que je vais dire. Qui va un peu aussi te toucher un peu, tu vois un peu, non? Comme toi aussi, quand tu viens, tu écartes la bouche comme la baleine. Tu commences à insulter les enfants d'autrui. Tu commences à dire, oh, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé sur moi. Dieu m'a parlé.
une pauvre brebis comme ça là qui mange encore les œufs au quartier à Bobo là-bas et à Abidjan, partout dans les quartiers voisins, qui part aussi souvent dans les tourneaux d'eux, hein, qui part aussi, qui prend aussi les petites filles pour aller utiliser les petites filles et tout, hein, un pédophile international comme ça là qu'on ne veut pas arrêter, hein, vous le voyez là, c'est un grand bandit, vous ne savez pas que c'est un grand bandit lui, hein, vous savez que c'est quelqu'un qui existe, hein, tu voulais vraiment que je fasse le buzz avec toi, hein, parce que tu savais que donc quand tu vas me bloquer, que ça va m'énerver, tu comprends, non, je ne suis pas ta femme, tu as compris, non, je ne deviendrai jamais ta femme, je suis plus belle. Parmi toutes les pembèches là, tu es sorti avec Sarah Messang, non? Hein? Sarah Messang est mince comme moi. Tu es sorti avec elle, non? Sarah Messang aussi a vu que là-bas que non, que tu ne le nourrissais même pas bien. Tu ne nourrissais pas bien Sarah Messang. Hein? Sarah Messang a dit là-bas que non. Sarah Messang elle-même, elle a dit que non, toi, Makoso, quand vous étiez ensemble, c'est comme si, ou c'est quoi qui fiolait, ou c'était le bébé, ou c'était quoi, ou c'est le mingli mangla, ou c'est le mangla mingli, on ne sait pas. Elle dit que non, elle n'a même rien senti là-bas. Hein? Donc elle dit que non, toi, je te connais, nous connaissons. On se connaît en vampire, toi et moi. Quand ton avion quitte là-bas de Abidjan pour venir débarquer ici là sur mon toit, hein, tu pensais que non, que je ne devais pas te repérer. Je t'avais repéré de loin, vieux père. Tu t'avais repéré de loin, vieux père, vieux mongo. Je t'avais déjà repéré, je t'avais déjà vu. J'étais à l'œil. Je t'avais déjà à l'œil. Tu sais ça? Voilà. Pose de vin. C'est quoi? Hein? Tu pleures avec moi? Hein? Tu as dit quoi? Hmm? Avec un sucre créole? Hein? Hmm? Le sucre créole, ma carrière? Hein? L'appartement que tu devais donner à ma carrière, là, c'est où? L'appartement que tu devais donner à Créole Makaya. Hein? C'est où? Je vais te poser. Je vais te garder. Même si je ne te garde pas, tu vas rester seulement une femme comme ça là. Donc, considère la Côte d'Ivoire comme ta deuxième terre, ton deuxième pays. Je te donne un appartement ici. L'appartement là est où? L'appartement là est où? L'appartement a tourné Kazakh. Hein? L'appartement a tourné Kazakh. Hum? Yeah. Il portait la veste. Yeah. Oui, je pars à la rencontre. À la rencontre de ma femme. Et tout. Donc, quand tu avais vu la Gabonaise, quand tu as vu Créole Makaya, que non, eh, voilà, qu'elle devait t'ouvrir comme ça là. Eh, tu as trouvé Gabonaise, une vieille rococo. Tu avais oublié que non, Créole Makaya est une vieille bordel de waka. Une fille qui a fait le waka en désordre, donc qui connaît toutes tes manigances là. Tu pensais que non, tu devais la mettre sur le lit. Mais ça a tourné Kazakh. Dans le vrai sens, on enlève les blagues. Ça a tourné Kazakh. Créole ne t'a jamais libéré. Tu as cherché jusqu'à... Juste aussi les enfants aussi. On voit aussi les enfants qui quittent là-bas. Oui, tata. Tu vas venir ici. Tu vas venir préparer pour nous. On te veut comme une deuxième maman. C'est tellement facile, hein. Tellement facile pour toi. Un vieux Bangala qui a tourné. C'est ça que tu voulais venir prendre pour mettre chez ma soeur. Elle est ngotée de ouais, bien sous l'eau, sera ouais quelque part. Changez votre mentalité. Il faut changer. Changez votre mentalité. Votre mentalité est mauvaise. Ne faites pas du mal aux autres. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez d'utiliser les gens. Moi. J'ai pas honte que j'ai été violée. J'ai été violée en prison. J'ai été violée en aventure. J'ai été violée par un parent bien direct. Mais je suis devenu ce que je suis devenu. Qu'est-ce qui a changé? Ah, j'ai compris. C'est grave.